Il y a maintenant deux siècles, en août 1812, les États-Unis d'Amérique se préparent à envahir le Canada. Thomas Jefferson déclare « La conquête du Canada cette année jusqu'aux environs de Québec sera une simple promenade. » Bien que les dirigeants américains affirment qu'il ne souhaitent aucun mal au peuple d'ici, l'inquiétude est grande, car depuis 1759, les Canadiens français savent qu'une guerre, c'est tout sauf une promenade. Parmi eux, le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry est particulièrement préoccupé par la situation. Décidé à faire sa part pour protéger Montréal et Québec, il s'engage à recruter un régiment de miliciens, les voltigeurs canadiens-français, avec qui il a bien l'intention de défendre le territoire. 15 mois plus tard, à l'automne 1813, mes hommes et moi, Charles-Michel de Salaberry, attendons l'ennemi de pied ferme. 8000 soldats américains descendent le Saint-Laurent. Leur objectif? S'emparer de Montréal, soumettre la ville et poursuivre jusqu'à Québec afin d'en prendre possession. Au même moment, 3000 autres Américains traversent la frontière et longent la rivière Châteauguay afin de les rejoindre et de s'abattre avec eux sur Montréal. Le 26 octobre, ils ne sont plus qu'à 35 000 de la ville. En tout, ce sont 11 000 soldats qui approchent, armés jusqu'aux dents. Quant à nous, nous sommes 300, bien décidés à leur barrer la route. 300 hommes aux aguets dans les bois qui longent la rivière Châteauguay, des voltigeurs canadiens-français et une vingtaine de guerriers Mohawks et Wendats. Pendant les trois jours précédant l'affrontement, nous avons préparé le terrain, exploitant chaque ravin, chaque détour du chemin et tirant le meilleur parti des méandres de la rivière et des marécages qui la bordent. Lorsque nos éclaireurs signalent enfin l'arrivée de l'ennemi, nous sommes aussi prêts qu'on peut l'être en pareilles circonstances. Nous savons combien d'hommes approchent, mais eux, ils ne savent rien de nous, ni combien nous sommes, ni ce que nous leur préparons. Grâce aux embûches que nous avons semées le long de la route, nous les conduisons là où nous avons décidé de les affronter. Et là, la bataille éclate. Des heures durant, les voltigeurs harcèlent l'ennemi sans relâche. Pendant ce temps, nos compagnons Mohawk et Wendat courent dans les bois en poussant des cris à glacer le sang. Ils sont partout à la fois, donnant l'impression que nous sommes des milliers. Au plus fort du combat, je fais sonner les clairons à plusieurs reprises pour faire croire à l'arrivée de renfort. Désorientés, les assaillants se dispersent dans les bois et les marécages, épuisant leurs forces, tandis que d'autres se jettent devant nos fusils. Affaiblis et croyant faire face à une armée supérieure en nombre, leurs officiers sonnent finalement la retraite et se replient au sud, tandis que mes hommes et moi avançons sur eux. Peu après, informés de cette défaite, leurs 8000 confrères qui descendent le Saint-Laurent pour les rejoindre décident eux aussi de rebrousser chemin. Quelques jours plus tard, ils sont de retour aux États-Unis. Montréal est saine et sauve, de même que Québec. C'est la fin de la promenade. Et tout ça, grâce à une poignée d'hommes d'ici. Certains ont dit que c'était la victoire la plus extraordinaire depuis que David est venu à bout de Goliath. Un an plus tard, la paix est officiellement signée entre les puissances ennemies. Peu après, l'unité des voltigeurs est licenciée et les hommes démobilisés. Il fallut attendre un demi-siècle pour que renaisse le régiment des voltigeurs de Québec. Ce fut chose faite le 7 mars 1862, grâce à la persévérance de deux des fils de Salaberry, qui honoraient ainsi leur père et ses vaillants compagnons de la bataille de Châteauguay. Aujourd'hui, 150 ans après leur fondation, c'est avec fierté que les voltigeurs de Québec perpétuent la mémoire des voltigeurs canadiens-français de 1812.